Après, tu tires un bouchon. Sur le plan humain, super équipe, bout en train, terrible. Tu as passé un bon moment ? Ah, très bon. Comme d'habitude. Peut-être mieux encore. À chaque fois, c'est mieux. Ok, donc rien d'important. Faut que je l'évacue un peu, ouais. C'est... Allonge-toi, parle. Allonge-toi. Moi j'ai embarqué à Tromsø le 16 juin, donc ça fait plus de 3 mois maintenant là. Donc j'ai fait tout le passage du Nord-Est, c'est vrai que ça a été une sacrée, une belle aventure, aussi bien humaine que scientifique. On s'est bien régalé et c'est vrai que ça fait toujours un peu bizarre de quitter le bateau, quoi, qui est finalement un peu notre maison aussi à tous, là, tous les marins du bord. Là, c'est vrai qu'on passe énormément de temps à bord. Là sur la dernière année j'ai passé 9 mois à bord, donc c'est vrai que ça fait toujours un peu bizarre de quitter le bateau, quoi. Mais bon, c'est pour mieux revenir, hein. Moi je rembarque après à Québec, je trouve le bateau à Québec pour le ramener après à Lorient. Ouais, c'est des souvenirs de paysages, de rencontres avec des gens, super rencontres, ouais, non, des bons souvenirs. Pas de nostalgie? Ben pas encore, ce sera à la maison. Non, pour l'instant on est encore dedans, il faut préparer la relève. Là il y a Dan qui arrive, Dan qui me remplace demain, là, il arrive demain. Daniel qui arrive demain, qui va me remplacer. Donc pour l'instant c'est plus, le but c'est plus de lui laisser une situation correcte avant que je parte, d'expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Et pour la nostalgie on verra plus tard. C'est pas rien, c'est une zone en plus particulière, on est très très loin de chez nous. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Je me suis régalée en fait, quoi. Tout simplement, c'était vraiment super. Pour une première expérience, j'avais peur d'avoir le mal de mer, finalement, par les deux premiers jours, c'est plutôt bien passé. La science, ça me paniquait un petit peu aussi à l'avance, et finalement, voilà, les protocoles sont bien rodés, c'est bien passé. On a pu faire ce qu'on voulait, donc voilà, et puis la vie à bord, super sympa, je craignais pas trop, parce qu'en général, j'imagine que ça se passe super bien, donc non, c'était super, ouais. Humainement, on a pris plein les yeux, c'est régalé, on a vu des morses, des phoques, des ours, c'était splendide, quoi, donc super bilan, ouais, c'était génial. Son gourmet, hein.